CréaColor a été mis au point par la société ASFO pour la rénovation des sols en béton ou des vieux enrobés. Ici, c'était un emplacement de parking en béton brut. Nous avons fait la réalisation d'un revêtement de CréaColor spatulable et le résultat est là. CréaColor spatulable, comme son nom l'indique, se pose à la spatule, simple lame en caoutchouc, en une seule couche ou en couches successives. Le produit se pose sans primaire d'accrochage. CréaColor existe en granulométrie 0106 et il est décliné en plusieurs teintes. Les teintes les plus couramment utilisées sont le ocre jaune, ocre rouge, rouge oxyde et le ton pierre. CréaColor est un produit propre, il a été conçu avec une résine acrylique en phase aqueuse, donc il ne contient pas de solvant et ne dégage pas de COV. CréaColor au rouleau a été mis au point pour rénover des sols en béton usagé. Ici, nous venons de passer une première couche il y a demi-heure et nous finissons la deuxième couche. CréaColor au rouleau est un revêtement antidérapant qui ne contient pas de solvant et qui ne dégage pas de COV. CréaColor se pose au rouleau anti-goutte façade en deux couches successives. Ici, nous passons la deuxième couche de CréaColor et vous pouvez vous rendre compte que CréaColor a un très fort pouvoir couvrant.